Après chaque match du classique, un événement marquant fait parler. Cette fois-ci, c'est les chants homophobes qui sont déplorés depuis dimanche. Ceci après l'écrasante victoire 4-0 du Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille lors de la 6e journée de Ligue 1 de France. Dimanche, le club champion de France accordait son hospitalité à son homologue de la cité phocéenne dans le classique français s'inscrivant dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. À l'issue du match disputé au Parc des Princes, ce sont les franciliens qui l'emportent 4-0 devant leurs rivaux. Tout ceci malgré la sortie sur blessure de Kylian Mbappé, dont Luis Enrique aura rassuré sur l'état de santé à la fin de la rencontre. Au cours de ce match, les chants homophobes ont été entonnés par les supporters du Parc des Princes. Astérisque, les Marseillais sont des P, des fils de P, des ENC astérisque 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 astérisque, a-t-on pu écouter dans les rangs des supporters parisiens au cours du match. Des chants déplorés par l'entraîneur parisien en conférence de presse d'après-match. Mais en plus des supporters, plusieurs autres du PSG, à l'instar de Levin Kurzawa, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani ou encore Achraf Hakimi, ont adressé des insultes en direction des Marseillais. Entre deux refrains, ces derniers ont lancé « Hilar, des Marseillais, l'astérisque tu astérisque ta mère », comme le montrent les images diffusées sur Free League 1, détenteur des droits digitaux du championnat de France. En attendant le verdict de la LFP, qui va se pencher sur le dossier dès mercredi lors de la commission de discipline, plusieurs voix se lèvent pour demander des sanctions sévères contre la formation francilienne. Si la ministre des Sports s'attend à des sanctions, Olivier Rouillet, ancien international ailier droit tricolore 17 sélections, depuis en attend davantage. Invité de BFM TV ce mardi, le sexagénaire, qui a passé toute sa carrière en France, a montré toute son amertume sur le sujet. « Je ne le vois pas au rugby, où en ce moment il y a une ambiance extraordinaire à la Coupe du Monde. Je ne le vois pas au hand, au volley, au basket. Je ne le vois qu'au football. Ça me rend dingue parce que c'est un sport que j'aime. Quand j'entends ça, je deviens fou », a déclaré l'ancien ailier droit de l'Olympique Lyonnais et de l'AS Nancy. Pour mettre fin à ce fléau, l'ancien coach du FC Sion et de l'AS Nancy propose une solution. À l'en croire, les instances compétentes devraient procéder à des retraits de points pour montrer aux autres équipes de ne plus s'adonner à cette sale habitude. Ce n'est pas la peine de chercher autre chose que la suppression des points ou le match perdu. Vous n'empêcherez pas certains énergumènes de chanter, de dire des choses. Je suis dégoûté parce que je ne comprends pas ce qu'il se passe. Il est temps que le gouvernement réagisse parce qu'il faut prendre ça en main. Il faut arrêter, c'est quelque chose d'insupportable. A poursuivi Olivier Rouillet.